Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'encouragement. Je m'appelle Désirée et je partage avec toi la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais t'encourager, surtout alors que nous sommes en début d'année 2022. Vraiment, si tu ne connais pas encore le plan de Dieu pour ta vie, je veux te prier, s'il te plaît, va dans le secret et demande à Dieu sa vision pour ta vie. Arrêtons de courir dans tous les sens, arrêtons d'être hors du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas être épanouis loin du plan de Dieu. Tu ne peux pas être selon le plan de Dieu destiné à être médecin alors que tu es en train de vendre des voitures. Non, 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 s'il te plaît, va dans le secret. Demande à Dieu sa vision pour ta vie. Et s'il te plaît, donne tout, tout, tout pour le vivre, pour vivre ta vraie destinée. Mène ton bon combat. Tu as certainement dit que cette année est une année victorieuse, sauf qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, mène ton bon combat. S'il faut mourir à toi, s'il faut abandonner les mauvaises, les vieilles habitudes, tout ce qui t'éloigne de Dieu, fais vraiment un nettoyage dans ta vie. Enlève tout ce qui t'éloigne du plan de Dieu. Et n'aie pas peur de le faire, parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Si tu veux vraiment vivre ta vie selon le plan de Dieu, si tu veux vivre épanoui, si tu veux que ta vie compte, parce que nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses, mais en étant loin du plan de Dieu, ne sois pas de ceux-là à qui Dieu dira, « Loin de moi, je ne vous connais pas. » Parce que si tu vas chasser les démons, alors que Dieu attendait que tu sois en train de construire des écoles, des hôpitaux, tu es hors du plan de Dieu. Donc, s'il te plaît, va dans le secret et demande à Dieu sa vision. Pour ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, c'est très important. Prends le temps de le faire. Insiste, aussi longtemps que tu n'as pas entendu te dire sa vision pour ta vie, insiste. Insiste jusqu'à ce que tu aies cette révélation, c'est la révélation de ta vie. Ne néglige pas ta vie. Donc, mène ton bon combat et ainsi, ta victoire sera véritable. Je te le souhaite de tout cœur pour cette nouvelle année 2022 et te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Mets Dieu devant toi, qu'il soit ta priorité, ton ami, ton confident, ton rédempteur, celui à qui je te confie en premier et en toutes choses. Et tu verras que Dieu est vraiment celui qui ne déçoit jamais, est celui qui n'est pas hypocrite, est celui qui ne te trahira jamais. Donc je te souhaite de le vivre de tout cœur. Prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. Et ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye bye!